soir. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue au podcast La Sœur avec Monsieur Carlos Takam. On est honoré. Ah oui, c'est un honneur, vraiment. Il vient tout juste de s'offrir une superbe victoire par KO, donc la semaine passée, ouais. Qui rebondit après la défaite contre Shizora, qui était assez surprenante. Alors, cette victoire, finalement, elle fait beaucoup de bien, j'imagine. Oui, bien sûr, elle fait beaucoup de bien, parce que normalement, ce combat, je ne devais pas le faire, parce que ça a été vraiment décidé à la dernière minute. Il y a eu quelques petites complications et après, à la dernière minute, j'ai vu avec Eddie, l'organisateur des combats en Angleterre. Il m'a dit, il faut que tu le fasses, il te faut une bonne victoire, après on va relancer ta carrière. Et donc, il y a cette image quand même chez toi de, bah, par exemple, Anthony Joshua, c'était pareil à la dernière minute, t'as pas de problème, on t'appelle une semaine avant le combat, on dit bon, tu peux venir, Carlos, on a besoin de toi, t'arrives. Est-ce que ça, pour toi, c'est comment ça se passe? Est-ce que tu discutes avec ton manager ou c'est vraiment cette envie de combattre à chaque fois? C'est vrai que je discute avec mon manager, je discute avec mon équipe, avec mon coach, et après, voilà, je dis, bah, écoute... On y va, et ils me disent toujours la dernière décision, c'est toi okay. qui donne le mot. Et apparemment, dans le milieu, on m'appelle déjà l'homme de la dernière minute. Ouais. Et donc là, pour le dernier combat, ça a porté ses fruits? Ah oui, très bien. Moi, j'avais juste une question, c'est vraiment la marque Carlos Takam d'accepter vraiment tout le monde à n'importe quel moment. Comment est-ce que tu arrives à te préparer pour des adversaires si différents et en un si court laps de temps, en fait? Enfin... Tu sais, c'est vrai que beaucoup de gens me posent la même question. Moi, je me suis toujours entraîné, comme on dit, du 1er au 31, tous les jours. C'est maintenant que j'essaie de... Tout le monde me dit, écoute, essaie de relâcher un peu la pression, quoi. Sinon, de janvier à décembre, je suis toujours en train de m'entraîner. Ce qui fait que, en quelque sorte, je suis prêt à chaque fois. Donc, même quand on m'appelle... Et à la dernière minute, mon coach sait juste que je suis prêt. Il sait juste qu'il faut qu'on fasse juste quelques petits réglages par rapport aux adversaires pour pouvoir, comment dire, boxer. S'il vous dit que mon dernier match que j'ai fait, ils me l'ont dit, c'est pas 3-4 jours avant, et que je n'avais pas fait de mise de gants. Alors, je n'ai pas fait de mise de gants pour aller faire ce match, donc. Je n'ai pas fait de sparring, donc j'ai dit, physiquement, je suis prêt et je vais, comment dire, avec mon expérience, je vais pouvoir le gérer plus facilement. D'accord, bah donc là, voilà, t'es dans le top du top au niveau boxe poids lourd. C'est quoi ton prochain challenge? Qu'est-ce que t'aimerais préparer cette fois? Ah oui, cette fois-ci, ça se suit, je serai préparé, ça se suit. Parce que j'en ai parlé à mon manager, j'ai discuté avec l'anglais, je lui ai dit, cette fois-ci, ça va plus se passer comme ça, donc c'est fini. Comme on dit, la récréation. Maintenant, il va falloir que vous me dites 2-3 mois avant. Il m'a bien dit oui, c'est d'accord. Donc, cette fois-ci, pour mes prochaines gestions, ça serait préparé. Bon. Et tu voudrais qui pour le combat en 2019? Bon, comme j'ai dit dans mes interviews en Angleterre, sur toutes les chaînes anglaises, mon match avec Shizora, c'était un accident. Et je respecte le boxeur qu'il est. Il m'a gagné, je ne dis pas non, mais c'était un accident. Donc, je voudrais reprendre ma revanche contre Shizora pour laver ce qui a été pour mettre en place ce qui a été défait, et après voilà, je ciblerai d'autres cibles, quoi. Tu as affronté vraiment des adversaires qui sont très différents, ouais. Dans leur style et même dans leur physique, et est-ce que du coup tu as plus ou moins répondu déjà à la question, mais comment tu te prépares en fait spécifiquement pour un combattant, par exemple s'il est très grand ou s'il est par exemple pour un adversaire comme Joshua, bon, t'as pas eu le temps de te préparer, mais... Ou par cœur, voilà, comment est-ce que tu te prépares, en fait, dans... C'est vrai qu'on se prépare par rapport à l'adversaire. Si l'adversaire est grand, c'est sûr, tu vas prendre des sparring plus grands. Ouais. Si il est petit, tu vas prendre des sparring plus petits, et par rapport aussi au style de l'adversaire, quoi. Il faut... Et c'est pas aussi facile de trouver des sparring qui ont le même style que l'adversaire que tu dois affronter. Du coup, c'est très difficile, il faut aller chercher, quoi. Souvent, tu vas aller chercher des adversaires loin, comme en Australie, comme aux États-Unis, ou comme en Russie, pour les adversaires, qui correspondent, que la technique correspond vraiment à peu près à l'adversaire que tu vas boxer. Donc, du coup, c'est pas toujours évident. Après,
comme je dis toujours, j'ai roulé ma bosse et avec l'expérience que j'ai réussi à m'adapter par rapport à ce qu'il y a en face de moi. Et donc là, on parlait de ta préparation. Comment Ouais. ça se passe? Tu es basé à Paris, à Noisy-le-Grand, je crois. Ouais. Et est-ce que tu bouges pas mal pour chaque combat ou Si, comment ça se si, passe? Et si, tu as ton si. staff uniquement en France? Non, 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 je bouge beaucoup. Comment dire, pour mes combats. D'ailleurs, ce dernier match qui s'est passé, comme je vous dis, je ne vais pas le faire parce que j'avais un autre match avant et c'était annulé. J'avais commencé la préparation de ce match avant comment dire, d'arrêter ma préparation parce que c'était annulé le match. Comment dire, les premiers mois, j'étais à Monaco avec mon préparateur physique. On a fait 2 semaines. Après 2 semaines, comment dire, mon manager, moi, celui qui est là avec moi, comment dire, il a conçu un camp d'entraînement à Dax, avec la ville de Dax, qui nous a beaucoup aidés. On a fait un camp d'entraînement à Dax et on a fini la préparation là-bas entre, comment dire, les randonnées qu'on faisait les premières semaines avec un autre préparateur physique, un militaire qui nous a aidés beaucoup dans la préparation, tout ce qui est physique, tout ce qui est randonnée. Donc, du coup, c'est souvent quand j'ai un match à faire, c'est soit entre Noisy-le-Grand à Londres ou autre part. Donc ce n'est pas toujours en France que je me prépare. Ouais. Tu nous as dit que tu t'entraînais du 1er au 31. Comment c'est une journée type d'entraînement pour Carlos Bon, Takam? ça dépend. D'accord. Ça dépend. Une journée type d'entraînement en période de préparation, ce n'est pas la même chose d'une journée type d'entraînement en période normale, quoi. En période de préparation, normalement, j'ai 8 heures d'entraînement par jour. Donc le matin, c'est physique, 4 à 3 heures, et le soir, c'est boxe. Donc le soir, après les mises de gants, il y a des leçons avec le coach, après des leçons avec le coach, il y a des petits réglages et tout. Donc, c'est à peu près ça, quoi. Donc, presque 8 heures d'entraînement par jour, en période de préparation. En période normale, comme ça, bon, voilà, je m'entraîne plus qu'une seule fois par jour, donc 3 à 4 heures. Donc, je vais à la salle, je me mélange un peu aux autres, on essaie de faire un peu de sac et de leçons, on rigole. Hein. J'ai le monde des trucs et aussi le monde des trucs parce que je me dis, moi, jamais je me suis toujours dit. J'apprends toujours des autres, même des petits amateurs de la salle. Souvent, quand je frappe au sac, le petit, il peut venir me voir et me dire, ouais, mais Carlos, tu sais, le coup que tu as donné comme ça, c'était pas très correct. Souvent, des amis me disent, mais de quoi il se mêle, le petit? Qu'est-ce qu'il connaît? Je dis, non, j'essaie de parler. On ne sait jamais, quoi. J'apprends toujours, même des petits, quoi. J'apprends toujours des autres. Il ne faut pas refuser d'apprendre des enfants. Il faut laisser, quand je les vois, parce que chaque fois, quand je boxe à la salle, ils m'observent. Ils me regardent. Et des fois, il me corrige. Et moi, je dis pardon. Pourquoi? Non, Ben c'est une super leçon d'ouverture oui, je ne dis jamais d'esprit. non. Moi, souvent, parce qu'ils ont comment on dit, la salle de Noisy-le-Grand, c'est à des niveaux. En bas, ce sont les adultes, en haut, ce sont les grands. Souvent, je prends le temps de monter en haut et me mélanger avec eux et faire un peu, comment on dit, faire un peu des leçons avec eux ou m'entraîner avec eux, avec leur coach. Ils sont très contents, ils sont super contents. Souvent, quand on se met à. Comment je ne veux pas dire faire du sparring, je veux dire boxer. Pour moi, c'est un jeu, mais pour eux, ce n'est pas un jeu. Pour eux, ils sont tellement sérieux dans ce qu'ils font que tu vois même dans les yeux, ils te disent, mais non, vas-y, 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 boxe bien, quoi, ne fais pas semblant. Qu'est-ce que tu vas faire? Qu'est-ce que tu vas dire à un enfant? Donc, du coup, ils apprennent vite. Et quand ils descendent en bas, qu'ils me voient boxer ou quand ils me voient faire du sac, ils se permettent de dire, oui, il fallait faire ça et non ça. Alors, Impressionnant, impressionnant. Et aussi, donc, tu as combattu enfin, les plus grands. Tu tires des enseignements des enfants qui sont en Noisy-le-Grand, mais de ces combats-là contre les Povetkin, contre les Joshua, contre les Parker, contre les Chisora, qu'est-ce que tu en as tiré finalement? Comme moi, je dis toujours, moi j'ai toujours dit et insisté. J'apprends, j'ai beaucoup appris de mes défaites, au fait, plus que de mes victoires. Donc, je veux dire, j'ai appris beaucoup de choses avec ces boxeurs-là. En fait, à chaque fois quand je fais un match, que je perds ou que je gagne, je tire beaucoup de leçons, donc, je vois beaucoup d'expérience. Donc, même si j'aime pas beaucoup, ça va être surprenant.
J'aime pas regarder mes combats. Je ne regarde presque jamais mes combats. Je laisse mon coach regarder mes combats et me dire ce qui était bon, ce qui n'était pas bon. Je n'arrive pas, en fait, à me regarder. Moi aussi, je ne sais pas pourquoi. Bon, à chaque fois, après un match, comme le match qui s'est passé, mon dernier match, j'ai tiré une très grande leçon parce que ce monsieur, mon adversaire, il était beaucoup agile. Et comme on dit, dès les premiers rounds, plus je le suivais, plus je le chassais, plus il bougeait. Alors en cet moment, je me suis dit, mais attends, comment l'arrêter celui-là? Et après, au fil du temps, mon coach m'a dit, tu sais, plus tu cours, plus il se bat, quoi. Donc essaie de rester, de l'attirer, de le faire boxer, de le faire avancer sur toi pour pouvoir le contrer. Donne-lui un peu de confiance, quoi. Parce qu'il a pas mal un peu peur de toi. Donc. Donne-lui confiance, mais pas beaucoup, pas trop quand même. Parce que faut pas. Voilà. Donc, je suis tombé sur un adversaire qui bougeait beaucoup, ce qui n'était pas le cas avant. Je suis jamais tombé sur un mec comme lui, quoi. Donc, ça m'a appris quand même pas mal de choses. Ça m'a appris. D'habitude, c'est toujours moi qui avance, ou c'est le mec qui avance, et j'essaie de boxer, de gérer le combat comme, bien comme il le faut. Mais là, je suis tombé sur quelqu'un qui était très, très mobile. Et à cet moment, je n'ai pas pu trouver de solution pour pouvoir le garder à gauche à droite, parce qu'il sautait de partout. Donc. Et à la fin de compte, j'ai trouvé la solution, c'était de ne pas trop courir sur lui, c'était de le laisser un peu boxer, de lui donner un peu confiance pour qu'il puisse avancer, pour que je puisse appliquer ma boxe. Et ça a fonctionné. Ouais. Et justement, jusqu'à quel point, parce que tu as un mental de guerrier, hein, tu t'avances vraiment quasiment tout le temps, tu mets la pression sur tes adversaires, jusqu'à quel point c'est difficile de se discipliner en cours de combat pour se dire bah, je vais devoir m'attacher à une stratégie qui n'est pas commune par rapport à moi. Ce n'est pas, c'est pas vraiment facile, franchement, parce qu'il faut dire ce qui est vrai, comment dire, quand tu es dans les rings avec un adversaire en face de toi et que peut-être tu prends un ou deux coups, on a toujours le réflexe de répliquer derrière directement. Alors que ce n'est pas ce qu'il faut faire, quoi. Il faut réfléchir d'abord. Bon, à chaque fois quand tu prends un coup, tu veux répliquer derrière pour prouver à l'adversaire en face que non, t'inquiète pas, il n'y a rien, quoi. Je suis toujours prêt, je suis là. Alors que normalement, ce n'est pas ce qu'il faut faire, c'est l'erreur qu'il ne faut pas faire. Mais pour réussir, comment dire, avoir cette mentalité de et réfléchir et se dire, j'ai pris un ou deux coups, alors il faut que je réfléchisse comment je vais répliquer. C'est pas toujours facile parce que c'est un peu comme du tic au tac, quoi. Je prends du temps directement. Donc c'est pas facile du coup, c'est un truc qu'il faut travailler, même à l'entraînement. À chaque fois, même au sparring, il faut travailler ça de temps en temps, tous les jours. Parce que même au sparring, ça arrive, que le sparring te touche, tu veux le répliquer derrière, alors le coach va t'arrêter et te dire, non, c'est pas ce qu'il faut faire. Il faut réfléchir à ce qui. Il faut réfléchir et mettre, comment dire, une tactique en place pour pouvoir répliquer. Parce que deux fois, quand le mec te touche, derrière, quand tu veux répliquer, il peut facilement te contrer. Parce qu'en ce moment-là, tu viens avec la colère sans réfléchir. Donc, c'est un truc qui se travaille à la salle tous les jours avec l'entraînement. D'accord, d'autant que j'imagine qu'en plus. Bah de l'émotion, enfin, je prends un coup, je dois en mettre un. Il y a aussi l'idée de se dire, faut pas que les juges pensent Oui, qu'il il y a aussi ça, il y a aussi ça. Il y a aussi ça d'influencer les juges en disant, bon, ça va, il a pris un coup, mais derrière, il a répliqué directement. Donc, le mec là a mis un point, lui, il a aussi mis un point. Il y a aussi ça aussi qui joue, mais normalement, c'est pas la bonne stratégie, en fait. C'est pas la bonne stratégie. Est-ce que toi, tu arrives à te rendre compte dans le feu du combat si tu gagnes de l'ensemble des rounds? Ou si est-ce que tu es pris un peu dans l'instant et tu te dis, il faut que je C'est gagne? vrai que quand c'est un combat vraiment bien, assez serré, tu ne t'en rends pas compte, mais quand c'est un combat que tu gères, là, tu te rends compte. Ouais. Mais sauf si ton entraîneur te dit derrière que de temporiser les choses comme quoi, voilà, tu en avances, de gérer le combat. Voilà. D'accord.
Je vais changer un peu de sujet. Tu es allé affronter des stars chez eux, en fait. Est-ce que tu ressens parfois de l'hostilité par rapport au public? Non, j'ai eu toujours cette chance que, à chaque fois que je suis allé boxer, que ce soit en Russie, que ce soit en Nouvelle-Zélande, que ce soit en Angleterre, j'ai toujours été adopté par le public, tu vois. J'ai eu cette chance-là, je ne sais pas pourquoi, à chaque fois. Depuis que j'ai boxé en Russie ou en Nouvelle-Zélande, je reçois toujours des messages venant de la Russie. À chaque fois quand je boxe, j'ai toujours ces messages qui me disent: alors, quand est-ce que tu viens en vacances? Quand est-ce que tu passes nous voir, tu vois? J'ai toujours cette chance qu'ils m'adoptent à chaque fois quand je boxe à l'étranger. Et justement, on a presque même l'impression que tu as plus de fans en Angleterre qu'en France. Parce que ces derniers combats, le combat contre Joshua, c'était peut-être le plus gros de ta carrière en termes de résonance finalement. Et tu t'entraînes aussi bah, donc à Londres. Est-ce que tu poses la question finalement de te dire pourquoi pas, Carlos Takam, déménager finalement en Angleterre? C'est vrai que j'y pense souvent. Comme tu dis, j'ai plus de fans en Angleterre qu'en France. Il faut dire ce qui est vrai. Et comme je disais dans l'un de mes vidéos, comme quoi l'Angleterre, c'est une nation de sport, quoi, tu vois. Ils n'ont pas vraiment de sport comme ici en France, c'est le foot. Donc en Angleterre, tu peux voir une personne qui supporte deux boxeurs. Et s'il arrive que ces deux boxeurs, ils boxent, ils vont juste dire que le meilleur gagne. Et si là, celui qui gagne, on va lui dire: bon, voilà, il a gagné, c'est bien. Et celui qui perd, on va lui dire: bon, écoute, la prochaine fois, ça serait toi, tu vois. Donc, il supporte le boxeur dans la défaite comme dans la victoire. Malheureusement, ce n'est pas souvent ce qui est le cas ici, chez nous. Quand tu perds, on te critique. Et quand tu gagnes, on t'acclame. Exactement. Donc pour toi, c'est le plus gros problème avec finalement les supporters français, entre Oui, je guillemets. dirais qu'au fait, c'est la mentalité. La mentalité anglo-saxonne et la mentalité francophone, ce n'est pas du tout la même chose. Ça se voit même en Afrique, je te dis. C'est pas tout la même chose. Et donc du coup, justement, c'est une question, mais c'est peut-être extrêmement naïf de ma part, mais tu as un style qui te plaît vraiment. Les gens trouvent que tu es Ah ouais? super divertissant, Ça mais très dépend. courageux. Évidemment. Mais du coup, si tu avais le choix, parce que c'est pas quelque chose qu'on décide, est-ce que tu préférerais garder ton style comme ça ou avoir un style qui est peut-être plus safe? Il y a des boxeurs par exemple qui prennent moins de risques quand ils combattent et moins de risques aussi pour qu'ils rencontrent dans la gestion de leur carrière. Si tu pouvais échanger, tu resterais comme t'es ou tu échangerais? Ah non, je veux pas échanger mon style. Je veux plutôt améliorer mon style, pas échanger. Je vois pas pourquoi je changerais mon style. Moi, je suis bien comme je suis, moi, dans mon style. Échanger le style, ça veut dire recommencer tout à zéro, quoi. Tu t'en rends compte? Ouais, c'est sûr. Non, je veux améliorer mon style et non échanger. Et aujourd'hui, tu es dans un stade de ta carrière assez avancé. Tu sais ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Dans ce qui était dit précédemment, c'est vrai que tu as ce côté intrépide et puis toujours en chasse. Est-ce qu'il y a un regret peut-être dans ces combats acceptés où tu dis j'aurais peut-être soit dû avoir plus de préparation ou soit passer finalement cette opportunité-là? Je ne dirais pas que j'ai des regrets ou quoi, tout ça. Je dirais juste que j'ai des réglages. Alors, quel plus grand réglage? Bon, les réglages, c'est juste qu'au fait, dans un ring, je suis comme un loup. Je D'accord. chasse, tu vois, sans arrêt. Les réglages que je dois, comment dire, que je dois peaufiner dans ma technique, c'est juste, tu sais, quand tu chasses, quand tu vas à la chasse, que tu chasses un gibier, en cet moment, le gibier est fatigué. En ce moment-là, c'est plus de la stratégie que tu vois. Tu mets des stratégies en place pour attraper ton gibier que de continuer à le chasser comme un faucon. Donc, les réglages que j'aurais fait dans mon style, ça serait, comment dire, en cet moment du combat, commencer juste à gérer les rondes pour pouvoir gagner même au point. Voilà. D'accord. Un autre, alors c'est une question, c'est comment est-ce que tu arrives à... Parce qu'en fait, on est quand même dans une ère où il y a des heavyweights qui sont très très grands et très athlétiques. Comment est-ce que tu arrives à gérer ce différentiel en fait en les combattant? Tu sais, au début, c'était pas mal, c'était très difficile pour moi de boxer avec des grands, parce que je me rappelle, j'avais boxé à l'époque un boxeur américain qui s'appelle Michael Grant. Et c'était chiant à boxer, je n'arrivais pas à approcher. D'accord. Je comprends pas. Et en fin de compte, je me suis tellement habitué au grand que j'ai du mal à boxer les gens de la même taille que moi. Ouais, Parce
Parce que je sais pas, j'ai percé les mythes de boxer les grands, quoi. Je préfère plus boxer les grands que des gens de la même taille que moi, en fait. Donc finalement, les ajustements se sont faits. Ouais. Et là, dans le trio de têtes qui se dégage aujourd'hui dans ta catégorie, Ouais. c'est Joshua, Wilder, Fury, qui sont trois géants. Ouais. Toi, qu'est-ce que tu penses pour avoir affronté l'un des trois Qu'est-ce que je pense? de ce trio finalement? Est-ce que tu penses qu'il y a vraiment une marge par rapport au reste de la concurrence ou qui sont finalement prenables? Non, il n'y a pas. Pour moi, personnellement, pour moi, je ne veux pas parler pour les autres, Oui, parce que bien je ne sûr. connais pas Mais oui. ce jeu. Pour moi, personnellement, il n'y a pas de match. Mais putain, il n'y a pas de match. Il n'y a aucun match. Moi, je vois pas où il y a des matchs. Il n'y a pas de match. Bon, c'est vrai que j'ai boxé Anthony Le combat a peut-être été terminé un peu tôt, d'ailleurs et aussi. Tyson Fury, j'ai déjà eu l'occasion de le rencontrer à maintes reprises, puisqu'on a parlé pas mal de fois. Et mon ressenti vis-à-vis de lui, c'est un bon boxeur. Comme on dit, il a su trouver le petit truc que moi, comme je vous parlais tout à l'heure, gérer l'adversaire. Ce n'est pas un puncher, mais lui, il réussit toujours à déstabiliser son adversaire en face, quoi. Tu vois, à le faire chier avec des petits blagues, en le boxant, tu vois, le tenant de loin de lui et tout. C'est ça, sa boxe. Et ce que tu aimes ou que tu n'aimes pas, il gagne avec ça. Alors, l'essentiel, c'est quoi? C'est de gagner, non? Donc, moi, il n'y a pas vraiment de match entre moi et ces hommes en tête, là, ouais. Et pour toi, aujourd'hui, la boxe, comme le disait précédemment Polydamso, c'est vrai qu'à chaque fois, quand tu as combattu les noms, entre guillemets, c'était chez eux, c'était finalement toi qui faisais l'effort d'aller te déplacer là-bas. Dans le cadre d'une revanche contre éventuellement Joshua ou Chisora, est-ce que tu voudrais que ce soit finalement toi qui accueille ou pas? Tu sais, j'aurais bien voulu que c'est moi qui accueille, comme la dernière fois après le match avec Anthony et tout. Je disais, oui, comment dire, pourquoi pas un match retour entre Anthony et moi au Stade de France? Ça serait quelque Ce chose serait super. d'énorme. Mais pour ça, il faut juste, comment dire, ça peut se faire, c'est rien d'impossible. Ça peut se faire, il suffit juste que. Qu'on trouve un compromis avec les Anglais et qu'on ait des bons partenaires pour pouvoir organiser des trucs ici en France. Et pourquoi pas, si, ça peut se faire. Après, comme vous dites, moi, je suis toujours allé, comment dire, affronter mes adversaires chez eux. Moi, ça ne m'a jamais fait peur. Parce que moi, depuis que j'ai commencé la boxe, je n'ai pas eu vraiment, comment dire, la carrière de boxeur protégée, quoi. Comment dire, je suis toujours allé dans le tard. Toujours, toujours. Je n'ai jamais dit non à aucun de mes matchs, que ce soit à l'étranger, que ce soit en France, n'importe où. Donc, du coup, à l'époque, je dis, je m'en fous. Alors, je disais toujours à mon coach, allons-y. Parce que je me rappelle d'un de mes matchs qui m'a beaucoup fait rigoler. C'était au Canada avec, comment il s'appelle ce Cuban? Il est redescendu en loup léger. Mike Pérez. Alors, le mec, personne ne voulait le boxer parce qu'il avait mis un boxeur russe au coma, quoi. Le mec, bon, il a fini sa carrière, le boxeur russe, parce qu'il est sur une chaise roulante. Alors, c'était terrible. Franchement, c'était terrible parce que j'ai vu les images, j'ai dit, waouh, personne ne voulait le boxer. Personne. On me l'a proposé au Canada, son promoteur au Canada. Et je suis pas allongé. Et je suis allé et. Tout le monde me donnait perdant au troisième ou quatrième, un peu comme avec le match Anthony. Je suis arrivé, j'ai vu le mec. J'ai dit à Joseph, mais c'est ce mec qui va me battre au troisième round. Mais attends, dans mes rêves, quoi. C'est n'importe quoi. J'ai dit, même avec un bras cassé, il va pas me battre au troisième round. Et alors, à la pesée, je le regarde, il me regarde. J'ai dit, non, toi, tu peux pas me battre. On va au ring. On commence, premier round. Au fait, le combat devait être sur 12 rounds. Ils ont un peu fait déjà, au bout de 10, au 8e round, on nous dit que le combat c'est 10 rounds. Il était mort ce mec. Si on m'avait dit ça encore 2 rounds, je l'aurais éclaté. Le pire dans tout ça, c'est que sur les écrans de HBO, on voyait les notes et c'était moi qui étais gagnant. À la fin, on donne match nul. C'était magique. Même le journal de HBO est venu me voir et m'a dit. T'as gagné le match. Hein. Voilà. Franchement, je sais pas qu'est-ce qui a donné match nul, mais je ne vois pas match nul. Il dit, écoute, je sais pas, qu'est-ce que tu veux que je fasse? Il me dit, mais il faut faire une réclamation. Je dis, mais pourquoi? Et par rapport à ça, tu regrettes pas ou tu voudrais pas que des choses changent dans la boxe
Parce que c'est vrai qu'il y a énormément de résultats comme celui-là où on se dit, comme t'es pas le favori ou le gars qui organisait le combat, bah, tu sais, avec match nul. Tu sais, pourquoi les choses changent dans la boxe, c'est quand même difficile. Et en même temps, laisser les choses comme elles sont, quoi. Ça, si on change des choses, ça va un peu tuer, comment on dit, la tradition de la boxe. Regarde un peu comme au foot, l'arbitrage vidéo. Moi, je ne suis pas footballeur, je suis contre. Je sais pas, ça tue le jeu, quoi. La dernière fois, j'étais allé voir un match à Monaco, on a mis 3-4 minutes avant de donner le but, quoi. Je me dis, c'est quoi ça? Ça tue l'ambiance, quoi. Soit c'est le but, soit il faut laisser l'homme faire des fautes. On accepte les fautes de l'homme. Alors moi, je ne voudrais pas vraiment que les choses changent. C'est comme ça, c'est la boxe, ça a été toujours comme ça. Pourquoi tu veux que les choses changent? Sauf que les gens soient un peu plus honnêtes. Je veux dire, les habits, quoi. Qui mettent les notes qu'il faut aux boxeurs qui ont gagné. C'est pas parce que tu es à domicile qu'il faut que l'autre il bosse 4 fois plus que toi pour pouvoir te gagner. Non, il faut que ça soit net et clair. Tu as gagné, tu as gagné. Tu as perdu. C'est comme ça. Je change encore un peu de sujet. Pas du coq à l'âne. Il y a eu un peu une période où la boxe n'était plus vraiment en avant en France. C'est en train de revenir. Est-ce que tu penses que la boxe a un avenir radieux en France, un bon avenir? Je l'espère bien. Je l'espère bien, franchement. En tout cas, je l'espère bien. Vu des bons boxeurs qu'on a ici en France, comme les Sissoko, comme les Mendy, je sais pas. Comment ça s'appelle encore le poids lourd, là? Ayoka. Visiblement, il t'a marqué. Comment je peux l'oublier? Oh, merde. Peut-être parce que ça fait aussi quelques mois qu'il ne boxe pas. On l'a pas vu, ouais. Comme Tony et tout. Je veux dire, toute cette génération de Rio qui ont fait qui nous ont ramené la médaille. Franchement, ça serait dommage que la boxe ne se relance pas ici en France. Ok. Et peut-être pour finir, tu as combattu partout dans le monde, tu as combattu tes énormes noms. Quel est, là, jusqu'à maintenant, le plus grand souvenir pour toi de ta carrière? Je ne dirais pas le plus grand souvenir, je dirais les plus grands souvenirs. Ouais, alors c'est parti. Les plus grands souvenirs. Alors, déjà, la première, c'est l'accueil que les Anglais m'ont donné, quoi, en Angleterre. Parce que, comme je disais la dernière fois à la télévision anglaise, maintenant je suis à la maison. Quoi. Quand ils sont en Angleterre, je suis comme à domicile, au fait. D'accord. Je suis comme à domicile. Ça, c'est la première des choses. Deuxième, c'était quand je boxais à la Nouvelle-Zélande. Et j'étais quand même surpris de voir combien les gens ils me supportaient là-bas sans même me connaître. Je sais pas pourquoi. Et jusqu'aujourd'hui, ils continuent à me suivre. La même chose en Russie. Et mon dernier match, il y a 2 ou 3 journalistes russes qui m'ont écrit, qui m'ont dit, mais Carlos, alors quand est-ce que tu viens en Russie? Parce qu'on va organiser un petit truc avec toi, c'est en Russie, t'es attaqué et tout. Et ça me surprend toujours, en fait. À chaque fois que je suis allé boxer à l'étranger, comme je dis, j'ai toujours eu cette chance d'être bien accueilli par des fans là-bas, même les fans du boxeur avec qui je boxais, qui finit par se rallier à ma cause. Donc, c'est toujours de ces souvenirs-là que j'ai toujours en tête, quoi. Bien. Eh bien, merci beaucoup, Carlos Takam. Merci autant pour cet accueil. Merci. Et puis, 2019. Hein. Champion. Ouais. Bonne chose. Soit.